Alors, je parle des hormones, mais les tests sérologiques qui peuvent se faire sur un appareil maintenant, tel que celui que bioMérieux produit. Faut pas oublier de faire les tests sérologiques. Vous avez tout ça sur un appareil. J'ai parlé des maladies de l'enfant. Il faut voir est-ce que la femme est vaccinée ou pas. Naturellement, lorsqu'on va stocker du sperme et des embryons, il faut voir qu'il n'y a pas une hépatite. Là, il faut faire attention pour l'HIV. Enfin, il y a toutes des règles qui sont bien établies par l'OMS et par la communauté européenne, des instructions dans les centres. Et donc, c'est important de les avoir. Il y a la hystérosalpingographie, c'est pour regarder si les tubes, les trompes sont perméables. C'est un outil qui est employé un peu partout. Ça permet d'évaluer la qualité utérine et la perméabilité des trompes. Puis il y a la laparoscopie de diagnostic avec un vidéotaping pour montrer ce qu'on a fait en fait dans l'abdomen. Il y a la salpingoscopie, évaluer les trompes en direct, hystéroscopie, évaluer la cavité utérine. Ça peut tout se faire en ambulatoire lorsqu'on a les appareils, la femme vient et puis elle rentre chez elle. Et puis, plus spécifique, les anticorps anti-spermatozoïdes. OK, ça sont toutes les maladies, toutes les.